de mouvement, pas de son, un vide total. Puis, quelque chose. Une étincelle, une idée qui pouvait être n'importe quoi. Ou bien tout. De la lumière. Des couleurs. Des formes. Ouah, comment c'est beau. Des sons. Et bien plus passionnant encore, la vie. Carrément. Tout le monde peut diriger cette puissance. Tout le monde a un follet. Les follets sont la clé du Dreamiverse. Le Dreamiverse. Le Dreamiverse bruit de leur énergie. Il attend que vous choisissiez le vôtre. C'est tellement fluffy, mon dieu. Lequel sera votre follet ? Bonne question, mais avant tout, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Dreams, les amis. Oh là là, ça fait longtemps qu'on s'était pas parlé, hein, moi ça fait quasiment 4 mois que je n'étais pas parmi vous, hein, donc je suis rentré il y a quelques semaines de mon voyage, donc tout s'est bien passé, hein. Mais ce que je voulais dire, c'était que les séries sur Spider-Man et Asura's Wrath donc vont mettre un petit peu de temps à se remettre en marche, hein, le temps que je me pose. Donc logiquement, il devrait y avoir le retour du Let's Play d'ici février. Donc janvier, je ne pense pas, mais au moins février. Donc là, nous sommes sur Dreams. C'est la première fois que je lance le jeu. J'ai également donc, ma toute nouvelle télé qui est une télé 4K dont je suis très très fier, qui me permettra plus tard, quand je posséderai la Xbox Series X, de pouvoir jouer à des jeux de mille feux. Mais avant ça, nous sommes sur Dreams. Alors, ok, on s'est passé avec ça. Alors je ne sais pas encore si je vais lancer une série sur Dreams, donc pour le moment ça sera une grosse vidéo découverte. Hein. Je vais quand même filmer moi de mon côté pour prendre de l'avance au cas où. Mais ce que je pourrais faire, c'est qu'on découvre ensemble donc, tout l'univers Dreams, donc que ce soit la création des autres, mais également mes débuts en tant que créateur de jeux vidéo. Donc pourquoi pas créer ensemble notre jeu vidéo. Donc avec, pourquoi pas, vos idées, vos inspirations, tout ça, donc ça pourrait être plutôt cool. Mais pour le moment, ça sera juste une grosse vidéo découverte, donc moi, il faut que je choisisse mon follet. J'aime bien, en fait, le bleu et le vert. Genre, lui, il fait un petit peu trop féminin à mon goût, et lui, il a l'air complètement débile, donc c'est parfait. Alors, les amis, donc j'ai changé de câble HDMI, donc j'espère que maintenant, l'image sera beaucoup mieux. Donc moi j'avais juste quelques images, enfin quelques fois il y avait un petit écran noir. Donc j'ai dû prendre mon câble HDMI de ma Switch, donc tant pis pour la Switch, mais on n'a pas besoin pour le moment. Et je comprends pourquoi le jeu est uniquement sur Play, parce que la manette Xbox ne fait pas encore tout ce que peut faire la manette de Play. Peut-être plus tard. Apparemment Microsoft, enfin surtout Xbox, je penserais à faire une manette du même style que Play, hein, parce que ça offre quand même beaucoup plus de possibilités. Oh là là. Oh oui, déjà, oh là là. Alors par contre, je n'ai pas le multi sur Play, donc j'espère que je pourrai jouer quand même. Ça devrait être par ici. Encore des barrières. Par contre, franchement, de faire, enfin, pouvoir créer un jeu vidéo dans un jeu avec une manette, c'est incroyable. Juste pour ça, 20 sur 20. Donc pour le moment, c'est le tuto. Donc je pense que sur la vidéo, vous pouvez passer si ça ne vous intéresse pas et avancer au moins de 10 minutes. J'ai pu acheter Dreams donc sur le Play Store pour 20 euros. Enfin, techniquement un peu moins parce qu'il était à 20 euros soldé. Mais j'avais quelques sous sur mon compte. Donc j'ai pu techniquement l'avoir pour 13 balles, mais c'est un détail. Regardez cette plante.
Donc très content de mon achat, très content. J'espère que le son n'est pas trop fort de la télé. Hein. J'ai l'impression que ça va, mais je pense qu'il y aura un petit peu d'écho, je pense. Il faut aussi que moi j'entende mon écran. Hein. Et j'aime pas mettre de casque. On y est enfin. Oh. Dreams, votre vaste et sublime univers de possibilités. Franchement, GG aux développeurs. Hein. Franchement, l'idée est juste top, quoi. Genre, un jeu pour créer des jeux, quoi. Avec un moteur maison, genre des particules maison, enfin tout est maison et c'est génial, ça. Choisissez voyage. Eh bien, nous allons commencer par le voyage onirique. Donc, comme je l'ai dit, pour le moment, on va juste découvrir dans cette vidéo déjà l'interface. On va voir quelques jeux des autres, si on peut. Et je vous propose de faire une série, donc point par point, sur la création d'un jeu. Mais un vrai jeu, pas un petit jeu fait au bout de quelques heures. Non. Un vrai gros jeu qui peut techniquement sortir. Donc ça risque de prendre énormément de temps, mais je suis tellement chaud. Donc voilà, on va commencer par le voyage onirique. Bonjour. Donc j'espère que je peux jouer en ligne. S'il me demande un abonnement, je suis foutu. Le voyage onirique. Ici, nous pouvons explorer les méandres du Dreamiverse et découvrir les plus étranges et les plus merveilleuses des idées et des créations. Perdez-vous dans un flux de jeux, d'animations, de vidéos musicales, de mondes et d'expériences variées. Ouais, c'est trop bien, mais moi jouer, s'il te plaît. Je veux jouer. Le voyage onirique est un flux continu né de l'imagination des rêveurs. Essayons-le. Je sais pas par contre pour ce jeu s'ils feront un jour une suite onirique. Ou juste des mises à jour. Explorez le Dreamiverse et utilisez ces listes de lecture pour affiner vos recherches. Attends, le plus de gemmes. Voilà, c'est le rêve d'art. Donc ça, c'est les développeurs de Dreams qui ont fait ce jeu dans Dreams. C'est incroyable. C'est incroyable. Voici notre aventure épique. Oui. Je sens que ça va être un jeu incroyable. Oh. Mais vraiment. Super. Vous êtes là. Parfait. Déjà le doublage. Laissez-moi vous raconter une histoire. Tellement suave. Comme dans toutes les bonnes histoires, il y aura de l'action. Un peu d'humour. Un méchant très méchant. Ouh là là. Et plus important encore. Un héros. De la musique. Ah. Oh, putain. Je m'appelle Art. Et je joue de la contrebasse. C'est déjà incroyable. C'est déjà incroyable. Le plus beau des instruments. Oh, question de point de vue. Pour moi, c'est la flûte à bec. Autrefois, je croyais être le meilleur. La crème de la crème. Attends, tu viens de dire qu'ils ont fait cette musique dans Dreams, quoi ? Putain. J'étais au 36e dessous. Les gars se sont dosés, mais un point. Au fond du trou. Au terminus des déprimés. Et si je n'avais pas fait ce rêve, je n'en serais jamais revenu. Le rêve d'art. Par contre, le nom est bizarre. Je tiens à dire. Ce rêve m'avait paru réel. Mais il ne m'en reste plus que des bribes. Un peu folle dingue. Oh putain, on dirait un vrai trailer, bordel. Comment ils font ? Mais comment ils font ? Comme mes amis. Ces mignons petits follets. What ? Il est même au courant ? Ils m'ont aidé à me souvenir de ce que j'avais oublié. The fuck ? Il y a un lore, genre dans le jeu, il est conscient qu'il est dans un jeu. Yep. Comme Leila. Le groupe. Alors ça a ramé vite fait. Je sens, il me semble que je suis en HDR actuellement. C'est peut-être pour ça que ça rame. Notre premier album avec un vrai label. Un vrai label. On allait faire un carton. On avait même un gros concert prévu à l'hôtel du Cerisier avant que je parte. Oh
mon Dieu. Ah, merde, j'ai cassé. On ouvre la vérité en face. Je m'attendais pas à ça. Rêve, comme si une lumière s'allumait dans notre esprit. Montre-leur, petit follet. C'est bon, j'ai allumé la light. Eh bien. Ah. Hey, baisse d'un ton, tu veux. Tu couvres ma voix et le reste du groupe. Baisser d'un ton? C'est à vous de hausser le ton. Je suis le seul à jouer, là. Tu veux que je baisse d'un ton? Très bien. Je m'en vais. Comme vu ça, que là mon follet apparaît à la lumière, logiquement les animations sont directement dans la lampe. Logiquement. Il y a une vraie lumière. Ouais. Comme je le disais, j'allais vraiment très mal. Mais tout n'a pas toujours été si noir. Leila et moi, nous étions les meilleurs amis. On jouait ensemble depuis qu'on était mômes. Ça m'agnon. Par contre, même problème que la Wii, le curseur se barre tout le temps. Enfin là, c'est un follet, mais ça se barre tout le temps. Je me rappelle avoir rêvé de debug. Genre, là, je pointe. C'était mon petit robot lumineux. Je bouge pas, je bouge, je remets à peu près au même niveau, il est en bas. Ils n'ont pas duré. Je te comprends, Dibi. La valise de mon père. Je n'ai même jamais eu le droit de l'ouvrir. Et on va l'ouvrir aujourd'hui. Oh, Frances et Foxy le borgne, qu'est-ce que vous faites là? Ah, elle est de gaz, donc on va choisir le renard. Oh, Leila et moi, on jouait tout le temps avec eux. Frances pouvait tout écraser, et Foxy était un redoutable tireur d'élite. Ouais. On peut sauter. Mon Dieu. Putain, les particules. Par contre, on passera sur les noms. Hein. Je jouais tout le temps avec. Franchement, ils avaient pas trop d'idées. Attends, je suis où là? Hey, où est-ce que tu vas? Ah merde, putain, ah, je suis à gauche, what the fuck, je m'étais perdu. Ah, il m'a vraiment dit où est-ce que tu vas? C'est cool ça. Enfin, de dire au moins une phrase, déjà, quand on va pas à l'objectif, c'est sympa. Enfin, de mon point de vue. Je me souviens de cet endroit. Mais pourquoi j'utilise ce machin dégueulasse? C'était notre monde magique. Voilà, j'utilise lui. Oui, il jette quoi? Attends, il tire quoi là? C'est des assiettes? Je pense que ça risque de ramer légèrement. Comme je vous l'ai dit, je pense que ça vient du HDR. Parce que moi, par exemple, sur là, j'ai une PS4 Slim, mais par exemple sur ma Xbox One X en HDR, par exemple certains jeux comme Assassin's Creed, ça rame du cul sévère. Ah oui. J'ai trouvé une bulle de récompense dans ce petit... Ok. Landswing, où es-tu? Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, moi je prends le renard qui jette des assiettes, hein, ça fait plus de sens qu'un chat bizarre qui avec un marteau. Ah. Alors, on va peut-être pas jouer entièrement au jeu, parce que j'ai l'impression que ça va être un truc qui va durer des heures. Donc on va quand même... explorer, on va quand même essayer de voir s'il y a d'autres possibilités, mais on va sûrement pas le finir. À part si ça dure un quart d'heure, mais je ne pense pas. Ouais, oh, des récompenses, oh là là. Aïe, bah. Je suis mouru. Ça va, on respawn juste là. Ok.
Ah putain, ok. Donc en fait, il y a pas de caméra. La caméra se gère toute seule et le joystick droit, en fait, c'est juste pour tirer les assiettes là. Ou les pizzas, ou j'en sais rien ce que c'est. Putain, j'arrive pas à voir ce que c'est. Peut-être qu'il l'a dit dans le lore, mais. Pour moi, c'était juste un renard sniper, mais s'il snap avec des pizzas. Ah oui, ça. C'était à ma mère. Des grenouilles. Ma collection préférée, et je l'ai. Un peu cassé. Landswing. Allez, reviens. Je comprends pas pourquoi est-ce que tu me fuis. Peut-être qu'il t'aime pas. Déjà, je sais pas pourquoi on essaie de tuer des grenouilles, hein. Elles sont tranquilles là, elles font rien de mal. Oh là là, il y a un moteur physique, mon dieu. What? J'ai pris des dégâts ou... Attends, c'est pas des... C'est des récompenses. Des récompenses. Vite. Comment je fais? Comment je fais pour t'avoir? Ah, je t'ai touché, d'accord. Bon, ça va, la caméra est plutôt bien gérée. Ça rame un peu, mais ça va. Parce, franchement, le jeu, il tourne de base super bien. C'est juste là, comme je répète, j'ai mis le HDR, normalement. Le corbeau. Je ne me rappelle pas avoir vu cette saleté dans mon rêve. Alors moi j'adore les corbeaux, donc ça me dérange pas. Balai, oiseau de malheur. Moi je trouve ça trop stylé. Mon dieu. Je détestais les corbeaux depuis que l'un d'eux avait picoré l'œil de Foxy. Leila et moi nous pensions qu'ils étaient tous contrôlés par un gigantesque corbeau maléfique. Mon dieu. Le pic-pic. Oh le pic-pic, mon dieu. Mais quel est le lien avec Pic Pic et Landswing? Oh mon dieu, c'est incroyable. Attends. Ah. Ça par contre c'est cool, le fait de switch entre plusieurs mécaniques. Les mécaniques genre des personnages, ensuite avec le follet pour tout ce qui est... merde. Comment ça s'appelle? J'ai plus le nom, mais... Enfin voilà, le fait de switcher entre deux types de mécaniques, c'est quand même sympa. Ouais, c'est trop fluffy. Que se passe-t-il? J'ai vu qu'il y a des gens, ils ont réussi à faire des jeux, mais sans les particules vraiment de Dreams, quoi. Genre, ils ont créé leur jeu à eux, dans Dreams. C'est incroyable. Comme quoi, c'est possible. Même certains jeux, ça ressemblait tellement à de l'Unreal Engine, c'est incroyable. Follet, tu voudrais peut-être te méfier de ce machin. C'est une référence à Vendredi 13. Ça fait... Je pense c'est une référence. Hein. Putain, espèce de chat, ours, je sais pas quoi, il me fait flipper. Hein. Plus que le corbeau actuellement. Attention, c'est Pic-Pic. Il a piégé Landswing. Oh mon dieu. Relâche-la. Relâche Landswing. Putain, Landswing, c'est quoi ce nom? Quête du follet terminée. Mon dieu, j'ai un succès, Pic-Pic. Enfin, trophée, pardon, je parle en succès. Il y a même des trophées. Je pense qu'il y a que des trophées sur leur jeu à eux en fait. C'est techniquement quand on joue à un jeu d'un autre créateur, il n'y a pas de. Enfin, dans Dreams, il n'y a pas de. Il n'y a pas de trophée pour ça. Par contre, je sais pas si je quitte. Est-ce que je retourne au même endroit? Genre, est-ce que. Attends, je fais juste ça. Ça fait rien. Est-ce que je reprends ma partie au même endroit ou pas? Ah ok, faut vraiment que je descende, que je me casse avec. Ça se casse, très bien.
mon pote. Oh, ma tête. Ouais, gros sourire hier soir. Hein. Mais qu'est-ce que t'as foutu, putain, on te cherchait. J'ai l'impression d'avoir un pivert dans le crâne. J'ai même un pic. Pic. Oh, mais quelle lol. Puanteur. Je crois que je vais vomir. Je m'attendais à ça. Ensuite, ça fait marrant s'il si dégueule. Tranquille, c'est juste un corbeau. Hein. Qu'est-il arrivé hier soir? Je sais pas. Quel est ce son? C'est magnifique. Leila, tu viens une fois de plus me ridiculiser en public. Je n'ai pas besoin de toi. Ni de personne d'autre. Ah, pour moi, je comprends vraiment rien à l'histoire. Hein. Il y a un gars qui fait de la musique, genre ça, ça va. Après, il y a des piafs, il y a des peluches. Je comprends rien à ce qui se passe. Et elle s'envole. Oh, lâche-moi, volet. Montre-moi juste où je dois aller. Tu dois aller par là. Allez. Là. En vrai, ils auraient juste pu faire un jeu de musique genre dans cet univers-là, parce que l'univers a l'air plutôt sympathique, hein. Mais juste avec de la musique, quoi. Enfin, genre, forcer le truc à fond, quoi. Hé, Poilonnet, je dois monter. Ouais, Poilonnet. Mon dragon est à bord. Pardon ? Ouais. C'est impossible. Je n'ai que des voyageurs avec des billets. J'ai pas de dragon sur moi, désolé. Ouais, il y a même des choix dans le jeu. Oh, mais c'est incroyable. C'est du délire. Vous m'en faites voir de tout poil parce que vous avez du pouvoir. Sachez que j'ai un rôle essentiel dans le monde ferroviaire, monsieur. Ah bon? Je parie que la bestiole sous votre nez n'a pas besoin de billets. Excusez-moi. Hein? Ma moustache a été récompensée à moult occasions. Ah bon? Pouvez-vous en dire autant? Wow, vous êtes à fond ou vous pouvez être encore plus pénible? Par contre, la voix du héros, là, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu. Je comprends bien que vous êtes pressé. C'est pas si simple de voyager. On traverse tous une mauvaise passe. Et on ne fait rien sans ce précieux passe. C'est ce billet d'or, notre place à bord. Mais qu'avez-vous à grimacer? On dirait bien que vous êtes tout tripoyé, gentil. Faites-vous masser, tapez vos mains et puis vos cuisses. Quoi que vous voulez monter, on ne fait pas mieux pour le moral. Détendez-vous, rentrez dans le bal et donnez-moi vos billets. Oh putain, pas de salaud. Il m'a eu. Y'a qu'un truc qui m'intéresse, B-I-L-L-E-N-D. Mais d'où venez-vous? Vous êtes frippés, vous frappez pas, c'est pas ma charme. Mais je dois bien dire, sans critiquer, qu'il y a des gros trous dans votre costard. Quel est le problème, tu musicose? Même votre chapeau est tout froissé. Ne pleurez plus, vous êtes beau gosse, et donnez-moi vos billets. Mais donc je n'ai pas de billet. Si j'en avais un, je... Le soleil ne brille jamais. Et les banjos me rendent complètement fou. Très bien. Je comprends toujours rien à l'histoire. Je peux le posséder, ce mec, ou pas? Non. Dites, vous... Où je peux acheter un billet? Hey. Oh mince! Ça m'était jamais arrivé. Hey, je vous connais. Vous êtes un célèbre contrebassiste, pas vrai? Bah bon. Non, pas moi. C'est pareil pour tout le monde. Je veux pas discuter. Je peux quoi répondre? Le moins pire, c'est pareil pour tout le monde. Eh bien...
J'aurais pu l'être, madame. Ouais, je comprends. La vie nous réserve bien des surprises. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je pense que c'est une clodo. Vous n'avez rien de mieux à faire que de traîner par ici. Eh, les temps sont durs. Bah oui. Et j'ai une corde de mon banjo qui a sauté. Il a un problème, votre chien? Votre chien a l'air de tellement s'ennuyer. À mon avis, c'est sûrement parce qu'il vous écoute. Oh, la punchline. Billet. Vous allez me dire où je peux acheter un billet, oui ou non? Monsieur, ces derniers temps, je joue du banjo pour gagner ma croûte. Et là, je viens de perdre une corde et j'en ai pas de rechange. Bah, je me casse. Très drôle. Merci de m'avoir fait perdre mon temps. Bonjour. Au revoir. Un objet trouvé. Ou alors, autrement dit, un objet gratuit. On va juste voler. Oh, les doigts, ils sont dégueulasses. Oh, des biscuits pour chien. Enfin, des biscuits. On devrait toujours avoir des biscuits sur soi. Je suis pas sûr. Attends, du coup, on peut prendre le truc et... Oh là là. C'était plus drôle dans mes souvenirs. Ah, je me suis marré, moi, direct. Hein. Ça... Attends, changer de vue, on fait comment? Oh. Allez. Putain. Allez. Changer de vue. Vas-y, me semble. Oh, la bonne blague. Ça m'apprendra à ouvrir des trucs au hasard. C'est pas faux. Est-ce qu'on picolerait pas un petit peu? Vide. Mais comment t'as pu la décapsuler si elle est vide? Ça n'a pas de sens. Mais c'est... Oh, ma valise. Comme par hasard. Bah mets-le ton c'est chapeau. Mon tout premier instrument. Je retomberai presque en enfance. Leila me l'a offert. Pour mon anniversaire. Oh. Je ne lui ai jamais rien offert. En plus, j'ai une pellicule. Merde. Oh, j'ai découvert... Collecté. Ouais. Ah bah non, grosse fin, c'était pas une pellicule. Merde. Ça, je l'ai ouvert ou pas, non? Attends. Je crois que c'est une corde. Ça peut toujours servir, on ne sait jamais. Effectivement. Comme ça, la corde, d'abord on la donne à la femme, et puis le biscuit, on donne au chien. T'as compris? Oh, on sait jamais. Merde. Allez, va voir là-bas si j'y suis. Par contre, le mec, il est sympa, il m'attend bien. Hein. Votre chien sait faire des tours. Votre paresseux chien ne sait même pas faire des tours. Si, si, mais pas pour vous. Je peux parler ou pas là? Un biscuit pourrait le motiver. Tant que vous y êtes, donnez-moi à manger. Je suis pas prête de gagner de l'argent avec un banjo à trois cordes. Il l'a recraché? Ah non, il a. Ok. Je peux collecter une bulle. Allez! Tiens, je te répare ton banjo. Et on est quitte. Donnez-moi ça. Hé, hey, qu'est-ce que vous faites? Rendez-le-moi. Tenez. Vous l'avez réparé? En deux secondes. Tu sais comment je suis bon? C'est parfait. Ouais, ne vous emballez pas trop. Ça ne vous aidera pas à jouer mieux. Hé, hey, attendez. Prenez ça. Un billet? Oui, c'est bien ça. Et vous allez me le donner. En échange de quoi? Ben de rien. Bah du billet. Vous avez été sympa avec moi, alors je vous renvoie l'ascenseur. Ah, d'accord.
Ok. J'ai été sympa. Merci. Je suppose. Bon, toi, t'es super sympa de m'attendre, hein, franchement. Merci. Et voilà, Sir Moustache. Ok. Ah. Il part dans la seconde, donc en fait, il m'a vraiment attendu. Hein. Par contre, il manque du sol là-bas, normal. On va dire que oui.